Le général Bhakt Khan Joya Rajput est né à Bareilly en 1793. Il était le neveu du saint homme et saint Hazrat Sultan Mahmoud Joya dont la tombe est située à Ferozepur. Il appartenait à la famille Joya des Rajput qui, après s'être converti à l'islam du Rajasthan, un groupe est venu au Pendjab et l'autre a émigré à Bareilly. Bhakt Khan est un personnage important de la guerre d'indépendance de 1857. Il a participé à la guerre d'indépendance contre les Britanniques avec son armée et a accompli des exploits exceptionnels. Après l'échec de la guerre de libération, ils sont entrés dans la clandestinité. Bhakt Khan Joya a conseillé à Bahadur Shah Zafar de former et d'organiser une armée rebelle contre les Ferengis, ce que Bahadur Shah Zafar a rejeté. Mais Bhakt Khan a soulevé une rébellion contre les Britanniques. Les historiens disent qu'en septembre 1859, les forces britanniques ont forcé Bhakt Khan à rester en dehors de Delhi. Certains disent qu'il s'est caché dans les collines du Népal pendant quelques jours. Le 13 mai 1859, il est blessé et martyrisé dans les forêts du Terai. Le corps a été enterré au cimetière de Sar, qui est maintenant au Pakistan, qui s'appelle maintenant Josina. Écrit par Saadullah Joya.